qu'il y ait de la méthode, mais vous Bon, ben, on va faire comme Laurent Berton. On va ne attendre les résultats en direct. Profitez-en, parce que pour que moi j'allume BFM TV, c'est pas toujours que ça arrive. Alors, Mélenchon a dit qu'il fallait destituer Macron. Ah, je vois pas pourquoi. Pourquoi, de sa part à lui, il voudrait destituer Macron, sachant que tous les deux, ils ont comme projet de détruire la France. Ils ont tous les deux comme projet de grand remplacement, donc je vois pas trop pourquoi, mis à part qu'ils soient de mèche et que l'un continue le travail de l'autre, je ne vois pas trop. Comme je disais il y a 5 minutes, admettons qu'on destitue Macron ce soir, admettons que la droite passe, admettons, Macron il a foutu le feu à la baraque. Il a fini de foutre le feu à la baraque, c'est fini. On peut mettre qui on veut, on peut applaudir et puis dire oui, on n'a plus la tête de l'État. Il a fait le taf, hein. Il a détruit autant qu'il pouvait. Quelle couleur pour l'Assemblée nationale qui va sortir des urnes? C'est du violon, hein. C'est du violon. La France, il est 20h. Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir, puisque d'après la projection de notre institut ELAB, c'est le nouveau Front populaire qui aurait le groupe le plus important à l'Assemblée, entre 175 et 205 sièges, suivi d'Ensemble qui résiste mieux qu'attendu, Ensemble entre 150 et 175. Donc là, ce qui va rester, c'est il faut absolument que l'armée finisse par prendre le pouvoir, conteste le pouvoir en place et reprenne le pays en main. C'est tout ce qui nous reste.